Justine est vendeuse d'Aloco au quartier Koweta de Yopougon. Pendant la crise post-électorale, elle a vu son domicile pillé et ses biens détruits. De retour au quartier, Justine décide de pardonner, de prendre un nouveau départ. Là, chez moi, ils ont cassé ma maison, ils ont tout vidé, mes parents, mes assiettes, tout, ils ont pris. Mais malgré ça, la vie continue, on peut racheter encore ce qu'elle a perdu. Tout comme elle, Michel Djebi à la retraite et Eugène Latnomel sans emploi souhaitent que la page de la crise soit définitivement tournée. La guerre est finie, je suis content. J'ai dit qu'on n'a qu'à laisser. Parce que c'est Dieu qui a fait ce qui est perdu là. Si on n'a pas mort, on va trouver encore. Il faudrait forcément qu'il y ait la paix pour qu'au moins nous tous, on s'accorde pour au moins bâtir notre pays. Un message auquel adhère l'association des joueurs de dames du quartier Koweta de Yopougon. L'association a donc initié une partie du jeu des dames, objectif réconcilier les différentes communautés. Quand la crise même est finie, tout le monde était sorti de ce quartier. Et c'est le jeu des dames qui a réuni petit à petit la jeunesse. Nous demandons véritablement à tous ceux qui sont blessés, qui ne travaillent pas, qui ont eu vraiment du mal dans leur cœur, de laisser tomber. L'initiative est appréciée par la chefferie traditionnelle, les leaders religieux et certains responsables en charge de la sécurité dans la commune. Ils invitent tous les Ivoiriens à la reconstruction de la Côte d'Ivoire en prônant la paix et la réconciliation. Ce jeu de dames qui a réuni toutes les communautés du quartier Koweta a vu également la participation de Joël Nchou Atse, champion mondial de 5 minutes de cette discipline.